On a compris, on a un groupe super complet. Et donc, bon, on vous a déjà présenté la note bizarre. Et donc, en fait, on a aussi une zoophile. Et alors, sinon, c'est spécial, donc, qui est l'Otari. Voilà. Et pour la petite source, en fait, ce surnom, il vient de s'ouvrir. Enfin, vous comprendrez peut-être si vous entendez rigoler au cours de l'année. Et alors pour l'appeler tous ensemble, j'aimerais qu'on fasse tous au Tari. Mais après, j'aimerais que vous oubliez l'image que je vais vous donner dans la description. Donc comment on fait le Tari? C'est très simple, on lève la tête en l'air comme ça, comme si il y avait un ballon qui tournait sur le cœur. Après on pose des cris de Tari, genre... Non, c'est pas ça. Et puis après, bien sûr, on tape dans les mains. Vous allez voir tout le monde le faire parce que je ne vais pas le faire tout seul, c'est dégueulasse. Allez, tous ensemble. Ouais, il n'y a pas beaucoup qui vous peinent, mais c'est quand même. Allez, là, c'est pas ton là. Et elle rigole vraiment comme ça. Pour un enfant du temps qui reste assez il avait des petits joues rouges. Et en fait, ce qui lui donne un surnom assez sympa, c'est du Pikachu. Donc, j'aimerais Pikachu. Ouais, Pikachu. Changeons de registre, s'il vous plaît. Vous présentez la prochaine personne qui va venir ici sur cette estrade. Il n'y a pas d'estrade, c'est pas grave. Eh bien, je voudrais qu'on vive véritablement tout cet amphi, une communion. Qui est communion, vous voyez? Vous ressentiez ce que je ressens. Alors, ce terme, je vais lire pour certains qui ne connaîtraient pas la définition. Là. Mais attention, notez, tirez grand plaisir de quelque chose. Voilà. Et donc, je voudrais. Donc je vais le faire en version japonaise, d'accord? Et vous allez me suivre, un peu comme attend, oui. Voilà, tout à l'heure, elle a chanté, bon bah là c'est autre chose, hein, pour aussi faire. Donc je le fais en japonais, et après c'est à vous, ok? J'ai été animateur lors de soirée DJ. Allez, c'est parti en version japonaise, et après c'est à vous. Allô? Motokoi. Itsuki de Bordoi. Bordoi. Migdoi. Ça vient de là-bas, quoi. Sinon, je veux dire. Bon, vous êtes prêts, c'est à vous, je vous entends. Okay. On le fait, je fais en version japonaise, vous le faites allemand, français, peu importe, si vous êtes bilingue. On y va, ok? On y va, hein. Mortokoi. Monstukumoyo. Mitikumoyikoi. Omseko. Non, mais pour ça, que pour certains, apparemment, c'est le plus total. Hein. Ça viendra, plus grand. Bon, donc, la prochaine personne qui va venir ici, on se prénomme la Lapine. À toi, Lapine. Bonjour à tous. Donc moi, nous sommes la Lapine Coquine, vous comprendrez sûrement en soirée.
L'alcool est dangereux pour la santé, je tiens à préciser. Je vais vous présenter Dr Sexe. Ça vaut le coup. C'est un professionnel assermenté depuis pas assez longtemps. Il est spécialisé dans les maladies infectieuses, contagieuses, on peut dire dans les infections urinaires, hémorroïdes, mycose, syphilis. Il saura vous trouver le remède hein, pour chacun de vos problèmes. Et par contre, c'est que chez ces dames, hein, je suis désolée, il a peur des hommes. Mais il soigne avec son unique thérapie, hein, toute la gente féminine, si elle veut bien se laisser tenter par ses pratiques. J'appelle Dr Sexe et je vous le conseille. Moi, je vais vous présenter un mec, mais il n'est pas là. Il vient de Grozny, en Tchétchénie. En fait, il est dans la corpo et tout, mais là il n'a pas pu venir et tout. C'était compliqué avec la mafia, tout ça. Enfin, on a essayé de le joindre et tout, et il nous a envoyé une petite vidéo de lui sympathique. Je ne me présente pas, tu sais qui je suis. Je ne plaisante pas, tu sais qui me suis. J'ai lu mon avenir dans un bol de riz, B2OBA92I. Voilà, merci pour lui. Donc voilà, c'est la Corpo. Donc vous avez reconnu tous les membres, enfin non, vous les avez présentés en tout cas. Donc je vais vous les renommer, comme ça vous pouvez les enregistrer. Donc Yémen, secrétaire. Voilà. Alors comme tout secrétaire, il en fait beaucoup trop. Voilà, le mec a voulu venir en costume, je lui ai dit non. Il a fait quand même. Marion, voilà, la team Viking. Voilà. Bon, ensuite Seb. Bah, Seb, c'est un peu l'artiste, quoi. C'est un peu la. Hein, ah, voilà. Hein. Ah, il envoie du lourd. Hein. Le type, de toute façon, tu le lances à 22h, à 10h du mat, il est encore. Hein. Il est comme ça. Voilà. Voilà, ça, c'est Léa. Léa est très gentille. Léa est douce. Léa est fraîche. Rodolphe. Rodolphe est précieux. Rodolphe est génial. Et Rodolphe est comment dire, très smart. Voilà, pour tous ceux qui aiment tout ce qui est un peu luxe, classe, voilà, tout ça, mais voilà, merci. Marie, c'est un peu la nounours. Marie, c'est super gentil aussi. Enfin, attention, on est tous super gentils, on va pas dire qu'on est méchants. À part moi, peut-être. Voilà. Donc elle est trésorière en fait de la Corpo, donc c'est elle qui compte. Malgré son simple en écho au premier semestre, elle a réussi quand même. Voilà, donc je vais vous donner Julie. Bah, Julie, donc vous avez compris, son surnom 95 bleu, j'en ai pas. Simon. Simon est un peu le premier année. Désolé, j'ai oublié de faire la blague. Oui, Simon, malheureusement, se retrouvera en première année. Avec ses qualités, c'est des fous. Et puis Nathan. Bah, Nathan, c'est un peu l'autre artiste, toujours avec sa guitare. Voilà, il fait des petites vidéos sur YouTube de chansons qui n'ont ni queue ni tête, mais qui ont un refrain, c'est la fin. Voilà. Donc, c'est un peu tout dire. On va avoir une petite note joyeuse avec une musique que j'aimerais que tout le monde chante, puisqu'on va donner les paroles. Et je pense que tout le monde l'a connu entre 7 ans et 12 ans. Lui, à 12 ans, on est des tardifs. Voilà, un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit, je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, battant avec espoir les Pokémon et leurs mystères, les secrets de la vie.